Arnaud Liawank, formateur au CFA à Vannes en carrelage. Alors, le métier de carreleur appartient au domaine de la finition. On va travailler en intérieur, en extérieur, beaucoup plus en intérieur maintenant. On va être amené à travailler sur des maisons en rénovation, du neuf, sur des bâtiments collectifs, en fonction des entreprises. En intérieur, on va travailler en sol, mais aussi en faïence, dans les salles de bain, dans les toilettes. On va être amené à poser de la faïence, du grès, divers matériaux de décoration et aussi d'autres matériaux qui ne sont pas réellement du domaine du carrelage mais qui permettent d'amener une décoration supplémentaire à la pièce. Alors les compétences pour être carreleur, il faut être soigneux dans son travail, il faut être sérieux, il faut avoir le goût des couleurs, le goût des formes, il faut pouvoir associer les deux pour pouvoir présenter un sujet fini au client pour que tout soit harmonieux par rapport à ses demandes. Alors pour devenir carreleur, on a plusieurs formations. On a d'abord le CAP qui va être les bases du métier. On peut passer un CAP à Vannes, à Quimper, à Saint-Grégoire et à Plérin. Et ensuite, on va pouvoir passer un BP en 2 ans, soit sur le site de Vannes, soit sur le site de Quimper. On a également le titre pro qui est une formation sur 1 an sur le site de Quévin.